Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode 12e. Non, j'en sais rien. Je dois être dans ces eaux-là, en tout cas, on n'est pas loin. On est sur Lego Star Wars, le réveil de la force. The Force Awakens. Ouais, je sais, j'ai un anglais pourri. Un accent anglais pourri. Je fais ce que je peux. Non, je vais d'abord devoir te monter là-haut, bébé 8. Ah, ok. Il y a trop de fleurs en... Il nous faut un gros, d'accord. Le gros... Voilà. Ah bah voilà. Oui. Je vais remonter dans une seconde, bébé 8. Bébé 8, tu peux entrer là-dedans? Je vais avoir besoin de ton aide pour cette porte, là-bas. Super, c'est bien, bébé. J'en suis un peu la touche. C'est ça. Ok. Voilà. Allez. D'accord, c'était vers le haut. Pleine balle, bébé 8. Non. J'ai fouillé un petit peu vite fait les 2-3 trucs qui nous restent. D'accord, il reste pas grand chose en fait. Bon bah on va continuer le mode histoire. On va pas passer 3 jours. Fais demi-tour, fais demi-tour. Continuez le mode histoire. Chapitre 6. Bataille de Takodama. Troublé par sa rencontre avec la force sous le château de Maz, Rey fuit dans la forêt, confuse et hantée par ses visions du passé. Entre-temps, le Premier Ordre démontre l'effrayante puissance de la redoutable base Starkiller, en détruisant le système osnien, siège de la République. La destruction est de telle ampleur qu'on ne peut la voir depuis... qu'on peut même la voir depuis que Takodana... Ah mais c'est tellement... J'en ai des frissons cette musique, c'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Da, da, da. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si vous êtes au courant, si vous suivez un peu les actualités. Le musicien pour l'épisode 8 de Star Wars est en cours de travail. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais... Sangoku ! C'est la République ! Le Premier Ordre, ils ont fait ça ! C'est magique ! Allez, mais où est Rey ? Magique. Nous devons faire face. Les combattre. Tous ensemble. Je le garde depuis des lustres. Le sabre. Je l'avais mis en sûreté. Comment tu l'as eu? C'est une bonne question. Mais ce n'est pas le moment. Prends-le. Et retrouve ton ami. Pardon. Il le tient. Ah, le tien de son père. Ils le tient sont de son là. Père. Donnez-moi une arme. Mais t'en avais déjà une en fait. Voilà la sortie. Ah, c'est le mec qui a une arme sur le dos et qui réclamait une arme. Je sais pas si vous avez fait attention. Il garde l'arme d'Han, de Han Solo. Et Les cerveaux ne fonctionnent plus. Et les bombes ont dû endommager les verrous. Tu peux les découper? Voilà. Finn, il est temps. Quoi? D'utiliser le sabre laser? D'accord. Bon, je me suis carrément répété dans ce que j'ai dit, mais au moins vous avez compris. Comment il s'utilise?
Yeah. Quelle désolation. Il y a pas mal de connotations en plus avec les autres avec les Star Wars. Là on voit c'est l'épisode où on voit le perso en statue. Elle. Donc ça il me faut qui? Ah putain. Finn, tranche ces barreaux. Et je pourrais peut-être me rendre utile. Ça fait bizarre de voir. On dirait une... Merci, Finn. Bébé! Bébé 8! Ah, c'est toi qui te rends utile, t'as dit. Ok, pas besoin de bébé 8. Mais j'ai l'impression que... Il y a une... Ouais, c'est une impression en fait, c'est ce que je dis à chaque fois. Les... Ils sont quasiment tous noirs. Là, ceux qui sont plantés tout à l'heure dans le vaisseau, ils étaient dans les Stormtroopers, pardon. C'est bizarre, en fait. Ça devrait pouvoir nous servir. Oh, je pense. Merci, Maz. C'est bon, les... D'accord, vous sautez comme ça, en fait. Ah, bon, bah, j'ai pris Han Solo. J'imagine qu'aucun d'entre nous n'est inifugé. Il va falloir faire preuve d'imagination pour passer ces soldats. Un gâteau ? Laissez-moi allumer les bougies. Non, attends ! Ce n'est pas un gâteau ordinaire ! Je sais. Celui-ci est énorme. Ça, par exemple, mon vœu s'est réalisé. C'est tellement... Non mais... Non, je veux pas ça. Ah. On bouge. Oh. Ce chasseur peut nous toucher malgré la couverture. Tenez-vous prêts. Oh merde. Eh ben il est noir, un Stormtrooper. Le Stormtrooper de base est noir. Non mais il veut pas, si. De toute façon c'est le dernier, c'est bon, on peut avancer. On est bloqué. Je pense qu'on peut les prendre à revers. En haut à droite. Il m'énerve l'autre là, le sniper là, tout à l'heure. J'ai une petite chatte là. Ah, ça y est, je l'ai eu, putain.
Voilà. Il n'y a pas de personne. J'aurais peut-être pas de vue, mais... Je peux pas revenir, par contre, c'est ça qui m'embête. Ah, voilà. J'ai trop galéré. Vous voyez quelque chose, Solo ? Oh. Oh, Solo, il a pris trop cher. Ouais, il est trop mauvais, Han Solo, ou quoi, là ? Comment ça peut se détruire? Non bah non, mais Han Solo, t'es trop con. Alors j'essaie de débloquer, de regarder un peu comment si on peut tourner les panneaux derrière. Là, genre la statue, là, je pourrais m'y faire. Oh, je me suis fait défoncer. Ah, B. Bah évidemment, B. C'est bien qu'on pouvait faire un truc avec la statue. Là, à la base de la statue. Fais-la sauter, Chewie. Chewie ? Ah mais oui, j'avais zappé Chewie. J'adore ce Wookie. Attention, voilà d'autres méchants. Voilà d'autres méchants. Ah mon dieu, ce sont des méchants. Là. Visez ces piles à combustible. Non, mais c'est quoi ce tir qui fait un tir, hein? Tu dis pas génial, hein? On va reprendre Finn. Attention, t'es pas voilà trop d'autres mal. Méchants. Il avait un bon DPS. Ah d'accord, il... En fait, il c'est pareil, ça fait beaucoup de tirs, on tire plus vite. Vite, nous ne sommes plus loin de votre vaisseau. Non mais mec, là... Oh. D'accord, bon en fait ça me servait à rien. Descends de là. Voilà, merci. Oh putain. Je reprends des PV. Voilà. Ah oui, c'est lui. Oh oh. J'ai toujours adoré entendre ça. Et donc là, normalement, on devrait se faire taunt. Puisqu'on va être prisonnier. Bon bah, pendant qu'il fait ça, ça me gêne pas. Donc normalement, on va être prisonnier. T'es gentil en plus, tu fais des trucs pour moi, ça. Oh, j'ai plus qu'un demi-cœur. Il est étourdi, frappe-le. Oui, bah, deux secondes. Je fais ce que je peux, hein.
Ça devrait lui rafraîchir les idées. Oh l'enfoiré. Putain, je me fais défoncer, quoi. Allez, profitez-en pour attaquer. Non. Non. Ah, pas là, bordel. Voilà. Ah, allez, viens. Ah. Eh, hey, Chewie arrive. c'est pas Chewie, c'est Anne, c'est vrai. Bon, je l'ai vu que 10 fois, je suis désolé. Yes. Eh ben si. Seigneur, le droïde se dirige vers l'ouest avec une fille. Bébé 8, je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu es beaucoup trop important. Eux, ils t'accompagneront. C'est trop naze. Celle dont j'ai tant entendu parler. Le droïde, où est-il ? Ne bougez plus ! TK-338, les cibles sont acquises. Bandit à 2-8.6 ! En avant! En avant! Pourtant, normalement, Maz n'est pas avec nous, hein. C'est la résistance. Oh! Wouhou! Foncez dessus, ne vous laissez pas impressionner! Savoir piloter. Ray, bébé 8, ils ont besoin de toi. Vite, cours. Wow. Ici Black Leader. Il faut descendre les chasseurs TIE escortant les transports de troupes. Ils ne doivent pas venir en renfort des unités au sol. Dis-nous juste lesquelles tu veux te garder, Po. Black Leader, chasseur mobile vers votre position. Black Leader, Blue 2, chasseur mobile vers votre position. C'est pas évident, hein. À vue de nez, on a abattu la moitié, Black Leader. Ah, il reste 6. C'est super dur à gérer. Signale l'entrée en atmosphère des vaisseaux de largage. Il faut détruire ces chasseurs TIE et vite. Les chasseurs taille, bordel de merde. Oh. Les transports de troupes sont presque à portée, Black Leader. Oh non. À toutes les escadres, concentrez le feu sur les transports et leurs escortes.
résiste sacrément bien aux dégâts. Raison de plus pour leur en mettre plein les... Ouais, je savais qu'on y arriverait. Yeah. On en reste plus qu'un. Encore quelques-uns et on les aura complètement coupés de leur renfort. Ah non, il en reste quelques-uns. Ça apparaît au fur et à mesure. Allez! Ah merde, ils sont trouvés. Ouais, c'était le dernier, Black Leader. Ici le transport du général. Nous sommes attaqués par les forces du premier ordre. J'arrive. Le général, à nous de jouer, Snap. Je te suis, Black Leader. Merci pour l'intervention éclair, Black Leader. Occupez-vous des chasseurs TIE des forces spéciales. Les chasseurs taille, bordel de merde. On est toujours harcelés par les chasseurs ici. Le général vous demande d'accélérer le rythme, les amis. Je vous emmerde, je fais ce que je peux. Chasseur TIE en approche, tenez-vous prêt. Ah mais ça repop aussi. Mais ça repop Ah, d'accord. Wouhou ouais. Je fais ce que je peux. Merci. On a bien cru qu'on allait y passer. Si tu comptais réclamer une promotion au général, je crois que c'est le moment idéal pour le faire. Il fume quand même. Le droïde. Seigneur, les résistants. Repliez-vous. Oubliez le droïde. Nous avons ce qu'il nous faut. Il l'a emmené. Oui, oui, je sais. Bonté du ciel, Anne-Solo. C'est moi, c'est 3PO. Vous ne devez pas me reconnaître à cause du bras rouge. Oui, il faut qu'on me remonte mon vrai bras. T'as changé de coiffure. Même veste. Non, c'est une neuve. Il était là. Je l'ai vu, Léa. Notre fils. Où je suis, là? Tu es mon invité. Parle-moi du droïde. C'est un double B à processeur au sélénium et vindicateur thermique à hyperscan. Il est porteur d'un fragment de carte. Nous avons le reste. Nous l'avons récupéré dans les archives impériales, mais elles étaient incomplètes. Or, il semblerait que le droïde démontrait le reste. Je sais que tu as vu la carte. Tu t'en souviens. Tu vas me la donner.
N'aie pas peur, je le ressens aussi. Je ne vous donnerai rien du tout. On verra. Non. C'est toi qui as peur. Tu as peur d'être moins fort que Dark Vador. Ah putain. Bah, oh, on a fait un épisode complet. Bon bah on aurait bouffé 5 minutes de plus mais on n'est pas Jedi. Non, oh puis loin de là. Hein. On n'a rien récupéré. Non. Oh, on a chopé deux quand même. Allez, vas-y, on a qui? Finn. Maz, ouais. Poe, ah bah évidemment. Snap, oh, je connais pas. Ouais. Ah. Non. D'accord. Ouais. Eh ben on continue. On va juste laisser la cinématique s'il y en a une. Et puis bah moi je pense que je vais arrêter pour l'épisode là. Oui, ça fait un bon gros épisode bien bourrin aussi hein. Quand même. Venez, on devrait retourner au Faucon. Ah bah même pas de cinématique, c'est super. Eh ben rendez-vous pour la suite, allez ciao tout le monde. Pousse.